Ok, je dis merci à tous les Bramo, les frères Saints. Voilà les 10 fils de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous Ivoiriens, mais nous avons décidé de dire la vérité avec tous nos grands frères et tous nos tontons et avec le gouvernement. Voilà, nous, on a décidé d'écouter le président. Parce que le président-là, le moment où il venait, il faisait campagne pour être président, non? Il a dit qu'il voit rien de nouveau. Voilà, c'est pas un simple, c'est pas un mot comme ça. Voilà, il s'est arrêté devant nous, non? Il dit, vous les enfants, je veux Ivoirien nouveau. Je veux Côte d'Ivoire nouveau. Et il dit, je veux un pays émergent. Côte d'Ivoire nouveau, là, tu sais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je suis prêt. En tant que vos papas, en tant que vos présidents, non? Si vous avez un problème là, ne vous battez pas. Ne faites pas parler. Ne cassez pas les feux. Ne cassez pas, ne brûlez pas piné. Il dit, ça, c'est d'être sauvage. Et puis, c'est vrai, hein, dans ces temps-là, voilà, et c'était leur idéologie. Le président dit, lui, il est prêt à discuter avec nous. Nous qui tombons dans les glo-glo. Et c'est quoi, dans les terrains, dans les parfums. Ouais, nous, les chauffeurs de baraque qui roulent souvent là. Voilà, on n'a rien pour payer nos maisons. Mais quand on parle, il est assis, il dit, hé, voilà mes enfants qui parlent. Il prend, il rit. Côté la tête, il casse comme ça. Et puis, il baisse un peu le son. Il écoute, pro. Il sait que ceux-là, non, vraiment, je ne les vois pas, mais là, ce sont mes premiers fils et les deuxièmes fils. Mais moi, non, je suis son dernier, son petit chouchou. Le Donc, quand on lararé, parle tu souvent as le ici, là, lararé, quoi. avec nos tontons, vous avez vu comment les tontons ont parlé, non? Les tontons, ils connaissent et ils savent que le président nous écoute. Donc, maintenant, là, on ne crie pas trop. Mais le président dit là, c'est tu comment, non? Viens en face de lui. Il dit, mon papa, voilà ce que les gars avaient fait. C'est le président qui les a fait. Et c'est nous, là. Quand c'était un saucisse, nous, à Bobo, là, ils étaient au golf. Parce que moi, c'est les charmants qui étaient à peine pour venir. Nous, on ne même pas Benzin pour Maï. Nous, on a Maï Wosso jusqu'à. Ça nous a dégoûté. Donc, le président dit, maintenant, là, vous les cadres, là, c'est vrai, vous avez l'argent. Je vous ai donné, allez-y, et vous n'êtes pas parti. Donc, vous avez fait vos produits là. Mais quand ils vont commencer à parler là, ils les écouter. Et puis, il va appliquer. Ah! Ça a parlé, mais président. Monsieur le président de la République. Non, papa. Je vous ai dit, non. Et vous qui êtes dans les gares routières, non. Vous savez que. Ah, je vous ai dit en esprit. Mais écoutez là, pourquoi ils vont entendre, non? C'est nos collègues. Donc, il faut qu'on l'aide. Donc, quand on parle que c'est l'Angèle et nous, il sait que nous sommes les Gruyères. Mais nous, on ne nous paye pas les 50 euros. Hein. Non, nous, on n'est pas dedans. Même quand on envoie, nous, on refuse. Parce qu'on sait que c'est bombe. Non, on ne veut pas rentrer là-bas. Donc, ils savent que c'est là, non? Ouais, ils ont faim. Mais malgré qu'ils ont faim, là, Dieu merci, on mange. Hein. C'est demander de parler, quoi. Essayer de comprendre. Mais eux, là, ils ne sont pas dans les conneries. Donc, c'est la réalité. Et nous, eux, me disent. Donc, le président a décidé maintenant, non, de nous écouter. Quand j'ai lancé le son, j'ai dit, si quelqu'un connaît, il n'a qu'à mettre dans une box. Il sait que quelqu'un a déjà envoyé. Et puis c'est propre. Je sais, quand c'est tombé net là, il a laissé Bic là. Il dit, hey, vous les pays, attendez d'abord, mes enfants sont en train de parler. Donc quand on a fini de parler, je sais qu'il n'a même pas parlé. Hein. Je sais, si, il n'a pas parlé, il a pipé seulement. Ils ont pris train, ils ont reculé vite, vite. Mais monsieur le président, c'est à un moment seulement ils ont parlé. Mais on dit, Bouaké, même les dédains, tu roules même partout. Dans l'air là. Moi là, je ne suis pas trop content. C'est que s'il a applaudi, je sais que tu as pris une bonne décision. Mais nous, on va les surveiller, non? Mais demain même là, et tu vas sortir contre eux. Et puis, pour demain là, eux, si on attend pour eux, pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà. On n'était pas au courant. Eux nous ont montré. Donc, nous, on a parlé ça. Monsieur le Président, vous nous avez écouté. Donc, maintenant là, c'est GPS. D'après Adjumani, il dit géolocalisation. On est partout en Côte d'Ivoire, là, on est en train de chercher. Partout où ils veulent imposer les gens. Mais eux, ça ne passerait pas. Président. Je dis merci à M. Amara Bamba. Eh, c'est un champion. Vous qui êtes derrière, vous ne voulez pas parler là. Demain, là, si vous voulez nous embrouiller ici. Vous et les cadres corrompus là, on vous comptez ensemble. Oui, faut prendre ton destin en main. Ils vont devenir quoi? Il n'y a rien. Il n'y a plus l'escadron de la mort. C'est avant, on avait peur. Liberté d'expression. C'est même qui nous ont déjà là, qui ont fait mal et même fait bruit. Il n'y a rien. C'est nous, on ne peut pas parler quoi. Devant nos papas. Laissez pour vous là, ouais. Laissez ça. Vous avez vu nos frères Sunyata quand il est sorti, non?
Ils ont pris Tera. Ils ont pris Tera. Donc, chers Baramoko, qu'ils étaient, ce qu'ils suivent, je vais dévoiler ça. Vous qui avez sonné hier, là, désarmé un peu, président nous a compris. Donc, allez-y, par rapport, ça va se passer propre. Et puis, devant nous, hein. Donc, on a un frère qui s'appelle le roi des printemps. Oui, le roi des printemps. Hé, hey, le roi des printemps. J'ai une localisation, là. S'il n'y a pas un GPS dedans, dis-moi, essayez de balancer le GPS à Paris dedans. Il dit, ça va prendre partout au monde. Donc, on surveille maintenant. De la manière dont ils ont commencé là. Donc, c'est pour nous dire que toute élection qui va venir, on n'a qu'à être vigilant. Ce qu'ils ont dit là, on a compris, on est content. Eh, mais c'est là qu'on attend. Nous, on va chercher dedans. On va chercher jusqu'à la fin des élections là. Quand ils vont prendre les urnes pour partir là, aller compter, proclamer, c'est que celui qui s'approche des gens. Eh, j'ai un message à lancer. Eh, chers parents, ce qui vous a approché des gens là, nous on a commencé à parler. La population dit, c'est vous, il veut. Mais ne venez pas nous emballer. Donnez, 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 donnez. Quand vous êtes là maintenant, là, vous avez réglé. Eh, vous nous connaissez où? Vous savez comment on a pris ça là, en flèche, non? On a pris ça en flèche, non? Et on n'était pas au courant de tout. Donc, comme on est au courant maintenant là, et puis c'est vous qui allez venir. Donc, vous avez l'intérêt de toujours continuer votre travail. Hein? Regardez la population, c'est ce que le président a demandé. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il n'a pas besoin de ton argent. Il dit, faut aller au marché. Faut aller demander les mamans. Les problèmes, là, c'est quoi? C'est à l'hôpital, là. Ce sont les raquettes, là-bas. Ou bien, tout ça, là. Tout ce qui est dans ton rôle, là. Ou 15 ans, ça. Ou bien, comme tu es responsable des gens au quartier, comme tu ne peux pas 15 ans, ça, là. Viens devant nous, ici. Toi, viens de poser sur ma vie, toi, pour partir. Non, là, c'est ça. On va vous envoyer. C'est Abobo qui gagne, non? Eh, Abobo, là. Quand on dit Abobo, c'est Côte d'Ivoire complet. Côte d'Ivoire complet. Et puis on nous a dit, on dit, il y a une information qui vient de tomber. Quand on paraît que Boaké est dedans, moi-même là, le frère ça, Amara Bama est venu, non? Il est un vrai garçon. Il est venu montrer à le monde qui lui est corrompu. Et puis il est pour Ouattara. Oui, on a beaucoup de frères qui sont tombés. Amara vient dire, ah non, Amara, merci beaucoup. Big up là-bas, c'est que si ça a le Sega, il va cadrer parler. Les bras morts, désarmer un peu les quais. Ouais, calmos, calmos, ça va aller. Le président, il a compris. Je sais que c'est un courtou-courtou qui était en marche, mais ça a déjà pris poteau. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, là, branchez-vous, surveillez-les. C'est lui-même qui va s'amuser. Même s'il n'a pas de connard à aller derrière, c'est comme ça va se passer. Eh, chef Kafana Kone, tout le respect, mais bourreau, on a entendu là. On ne veut même pas entendre. Donc, on ne veut plus entendre. C'est ce qui est important. Donc, partout en Côte d'Ivoire, libre ou soit, la volonté de population, ça, c'est la vision du président, notre papa Choco. Et éclairé, d'abord l'homme pour Ouattara. Et Ouattara, c'est un chef. Mm-hmm. Oui. Merci là-bas, papa. Merci. Pour finir, rapidement, je ne peux pas arrêter sans saler mon Benoît-Tchè. Ouais, je vais le saler. La sécurité est garantie partout en Côte d'Ivoire. Et son Benoît-Tchè Fitri. Et tous les soldats. Chapeau à vous. Ça a enjaillé. Vraiment, travailler, hein, c'est ce que le président demande. Quand il met goudron là, il n'a pas dit de venir regarder, faire publicité. Il dit, je mets goudron, travailler dessus. Et puis quand vous travaillez là, soyez à son image. Parce qu'il n'a jamais fait accrochage. On n'a jamais entendu ça. Mais vous là, vous prenez nos parents. Allez-y doucement. Hein, parce qu'à Bobo, c'est maintenant. La Côte d'Ivoire va avancer. Donc ça a enjaillé. Je dis merci à tous les Chao. Merci à tous les Mao. C'est que si partagez, envoyez ça encore chez, mettez ça encore dans l'inbox. Président, on a un gagné. C'est que tout au contrôle. Donc, éclairé, je vous dis merci. Éclairé. Non. C'est-à-dire, si il dit, aujourd'hui, il m'a arrêté là, pourquoi il est tout gâté? Non. Éclairé, vraiment, merci. Et tous ceux qui sont derrière, qu'on ne connaît pas. Oui, la vérité là, c'est dur à parler. Quand tu finis de parler, toi, ton corps est chaud. Oui. On conseille la vérité, hein? Mais ça paye. Quand ça paye, là, les classes sont merci, toi. Ça devient mieux, ouais. Éclairé, c'est ce que vous voulez dire. Big up à tous les chao. Laissez à le coup. Monsieur Berthé, merci beaucoup. Moi-même, je sais même plus ce que je vais dire.